Salut tout le monde, c'est McBee. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où la nostalgie sera présente, mesdames et messieurs. Oui, la nostalgie sera omniprésente dans cette vidéo. Yes, je suis très content. T'emballe pas non plus, frère. Je vais vous présenter les 10 meilleures musiques hardstyle au monde. Ce n'est vraiment pas une blague, au monde. Je suis très content de faire cette vidéo parce qu'en préparant la vidéo, il y a des musiques, je ne me souvenais même plus. Je me suis dit, mais putain, comment t'as pu oublier ça, mec? Pourquoi tu l'écoutes plus maintenant? On les oublie en fait, avec le temps. Bon, le temps il avance et tout. Ah, puis les musiques, on les tège à la poubelle, mais sans s'en rendre compte, tu vois, inconsciemment. Quand tu retombes dessus, tu fais ma. Et 2012, bon, ça envoie encore du pâté, en fait. Dans cette vidéo, les amis, on va y aller crescendo, c'est-à-dire qu'on va partir du trop bien, et on va aller jusqu'au méga giga énormissimement trop bien. Crescendo comme ça, tu vois, mon gars. J'ai pris l'enceinte, j'espère que vous êtes prêts. On y va, c'est mardi. Nous débutons avec un remix de notre padré Mr. White Styles. Le titre original s'intitule Accrochez-vous bien, juste comme ça, parce que là, la prononciation risque d'être parfaite. Vous allez être subjugué par mon accent. Rigby Earth Meet Water. Ce remix, les amis, comment vous expliquer qu'il est juste magique, mais genre trop magique. T'entends le premier accord de piano, tu vois, au tout début du break. Tu chiales déjà. Bien évidemment, donc vous imaginez, si le piano était incroyable, bah la mélodie est incroyable. Et juste pour la petite anecdote, comme ça, on est quand même en 2013. Donc c'est-à-dire qu'en 2013, écoutez bien le son, White Style se présentait déjà comme un des précurseurs du hardstyle, tu vois. On continue avec la musique suivante où là nous sommes en 2012. Donc là on est vraiment dans l'année où le hardstyle bat son plein, tu vois. L'âge d'or, comme on dit. L'âge quoi? L'âge... Je suis pas sûr, je vais laisser cette blague, elle est pas terrible quand même, hein. C'est un classique qui restera parmi les meilleures musiques hardstyle au monde, les amis. Voici Headhunters avec Dragon Ball. Dans le break, cet esprit un peu chant religieux, vachement charbonnant, c'est parfait. Toi, comme quoi déjà à l'époque, on sent déjà un peu l'esprit Amen ou Outchurch qu'on connaît maintenant, tu vois. On le sent déjà, ça. C'est le début d'une grande histoire d'amour entre Headhunters et nous. Ah, bah je vais vous dire. Ah, peut-être pas vous, hein. Peut-être que vous dites, oh, t'es du brun. Toujours est-il qu'avec moi, je l'aime très fort maintenant. But there is one they fear. On poursuit avec une collaboration cette fois. Il s'agit, les amis, de White Styles et de Brennan Holt. Une fois encore, on est clairement sur un chef-d'œuvre, les amis, un chef-d'œuvre. J'appellerais ça une pièce d'exception, tu vois. Tout est magique, féerique, sublime, tu sais. Genre, quand t'écoutes la musique, tu rentres vraiment dans un monde parallèle. T'es pas dans ta réalité à toi. Tu rentres dans une autre réalité où t'as plus de soucis, t'as plus de problèmes et just wow, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le hardstyle, c'est l'émotion, tu vois. L'émotion que tu ressens. Take back the world. Vous avez vu, on avance tout doucement. Et on arrive désormais à la 7ème musique, toujours et encore, notre ami Brennan Hart. On le retrouve cette fois avec une de ses meilleures musiques solo, je trouve, Follow the Light. Suis la lumière, frère. Suis la lumière, punaise. Il paraît que si tu suis la lumière, quand tu meurs, eh ben, tu vas au paradis. Bon. Ou tu te réincarnes en arbre. Ou écureuil. Ça dépend. Sans oublier, bien évidemment, la magnifique voix de Jonathan Mendelsohn. Incroyable. Souvenir, les gars, je me sens, ça fait trop du bien de réécouter ça. À l'ancienne, vous savez, c'est des musiques que t'écoutais quand t'étais gosse, quoi. Et là, tu l'écoutes devant vous là-dessus, là, c'est l'émotion à son paroxysme. Et c'est pas fini, les amis, parce que plus là on avance et plus on va vers des musiques de fou malade. 5ème musique où on retrouve nos deux compères, Brennan Hart et White Styles. En vrai, je pense que vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils collaborent, ces deux-là, c'est un tube direct. Systématique. White Styles, Brennan Hart. Ça fait un tube. Et je vais vous dire, en plus, la musique porte hyper bien son nom, puisque la musique s'appelle Lose My Mind, tu vois. Et juste avant le climax, ça dit Let me lose my mind. Donc ce qui veut dire littéralement, laisse-moi perdre la tête. Après, je viens de dire, pour la retrouver,
C'est le barman. Ce qui est génial avec ce genre de musique, c'est que tu penses à rien, t'oublies tout quoi. Vous avez compris, ça sert à rien, je vous explique. On est sur les 10 meilleures musiques hairstyle au monde, donc forcément ça sert à rien de décortiquer ou quoi, tout est parfait. Revenons à Headhunters cette fois, mais avec un remix qui s'intitule Cascade Lessons in Love, Headhunters remix. Que dire de ce morceau, les amis? Sincèrement, c'est une boucherie, une charbonnerie. Ça charbonne Alexey. Ce que j'adore avec cette musique, c'est qu'Headhunters a rendu l'original 1000 fois mieux en fait. Réellement, cette version est 10 000 fois, 100 millions de fois, de milliards mieux que l'original. Il est parti d'un truc plutôt normal et il en a fait de trop malade. Frère, calme-toi, tu dis des codes, ça veut rien dire ce que tu dis. Bien qu'ici, nous sommes quand même en 2012, vous remarquerez que la technique et la maîtrise de Headhunters, c'est folle. Le mec, c'est un génie déjà en 2012. Cette charbonnante liste, les amis, avec Headhunters une fois encore, mais qui revient avec un original mix cette fois. United Kings of the World. Headhunters ne l'a pas fait tout seul ce morceau, puisqu'il a été composé avec Crewala, et ça charbonne. T'as qu'une envie, comme j'ai fait avant, c'est de crier avec eux United Kings of the World. Les amis, ça y est, nous y sommes, le top 3. On attaque avec la troisième musique là. Là, c'est les trois dernières. Et je vais vous dire, que les trois dernières, ça fait les chocs à pic. Ce qui se passe ici en fait, c'est qu'on retrouve Jonathan Mendelsohn avec Brennan Hart encore une fois. Le constat est plutôt facile, mais c'est vrai, quand ils collaborent, ces deux-là, bah ça charbonne à chaque coup. Ce qui est incroyable avec cette musique, c'est que personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs qui remontent. J'ai tapé du pied là-dessus. Ah, je vais vous dire, en club ou bien avec des potes en soirée, j'ai tapé du pied là-dessus. Je sais pas si vous, ça vous fait remonter des souvenirs, mais cette musique, c'est la nostalgie pure incarnée, quoi. Ça y est, nous y sommes. Et pour cette deuxième musique, un nouvel artiste fait son entrée en jeu. Voici, mesdames et messieurs, Frontliner. Je vais porter une attention toute particulière à cette musique parce que clairement, pour moi, c'est pas un coup de cœur. C'est un méga giga énormissime mais coup de cœur. Toutes les autres, j'adore, c'est des coups de cœur de ouf, mais celle-là, méga giga coup de cœur. Pourquoi? C'est très très simple, je vais vous expliquer. C'est parce que la mélodie que vous allez entendre juste après, c'est une des plus belles mélodies à mon sens. Une des mélodies qui me fait le plus d'effet, qui me rend le plus heureux dans toutes les musiques hardstyle du monde confondu, je vous promets. We are... Écoutez, là les amis, écoutez bien. Eh bien ça y est les amis, nous y sommes, la première musique hardstyle, la première de ce top 10. La meilleure musique hardstyle de tous les temps, celle qui sera jamais détrônée. De toute façon c'est très simple, dès les premières secondes tu sais pertinemment que tu vas pleurer, tu vois que tu vas kiffer ta race. Même après autant d'années, c'est émotion, joie garantie, charbonnage garanti. Le génie de Y-Style les amis, combiné avec la magnifique voix de Nils, voici la meilleure musique hardstyle au monde. Oh non.
Et bah écoutez les amis, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous les 10 meilleures musiques hardstyle au monde. C'est les 10 meilleures, franchement. Ressentir toute cette nostalgie, toute cette joie à travers les musiques, ça m'a fait vraiment du bien. Et surtout la nostalgie de dire que voilà, il y a déjà plusieurs années que je m'engageais là-dessus. Et voilà, maintenant, X années plus tard, on remet le couvert et c'est toujours aussi charbonnant, quoi. Faire des kickrolls comme je fais là, avec le casque à fond et ces musiques là, je vous jure, j'en pleurerai de joie tellement c'est magique, c'est magnifique. Déjà là avec l'enceinte, j'ai des frissons. Imaginez avec le casque, immersion totale en plus, tu vois. Je ne le dirai jamais assez, mais le hardstyle, c'est pas seulement un style qui fait boum boum boum, c'est clairement une puissance émotionnelle. Il y a plein d'autres styles de musique électronique qui me mettent en couille quand je les entends, waouh, je pète des câbles. Mais le hardstyle, ça a réellement une puissance émotionnelle au-dessus de tous les styles de musique. Ça te transporte dans un autre pays, dans une autre réalité. T'es heureux, tu kiffes ta vie, ta meilleure vie, et tu penses à rien. Et c'est ça que l'on aime, c'est qu'on pense à rien et on aime quand ça charbonne et boum et boum. Putain. Vous pouvez m'écrire vous en commentaire, c'est quoi vos meilleures musiques hardstyle de tous les temps, celles qui vous font frissonner, que vous écoutez tous les week-ends, des musiques vraiment de ouf. Allez-y, balancez tout dans les commentaires les amis. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à charbonner des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer sur la cloche aussi pour voir quand est-ce que sort la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et on y est. À plus dans le but. Ciao.